Bonjour chers investisseurs, collègues, partenaires, tous ceux qui regardent nos vidéos sur la chaîne Sovelmash. Je n'ai pas fait de reportage sur le chantier depuis longtemps. Mais maintenant, il y a une raison pour le faire. Plus récemment, nous avons décidé de suspendre les travaux liés à la viabilisation du terrain. Juste devant moi, vous pouvez voir comment les travaux ont commencé et à quel stade ils ont été arrêtés. Tout est clôturé, nous avons donc arrêté ces travaux. Pourquoi avons-nous fait cela? Chers collègues, nous l'avons fait pour la raison suivante. Pour que nous puissions assurer la viabilisation du bâtiment et raccorder le chauffage, nous devons effectuer toute une série de travaux préalables. On va les montrer. Derrière moi, vous voyez les travaux en cours sur l'installation des structures de clôture. Maintenant, les caméramans, à l'aide d'un drone, vous montreront à quoi ressemble le bâtiment aujourd'hui. Les travaux sont effectués sur trois côtés. Du côté gauche, du côté droit et sur la façade. Partout, les travaux avec des structures de clôture se poursuivent. Pourquoi est-ce nécessaire? Ce travail est très important parce que si ce travail n'est pas terminé, nous ne pouvons pas raccorder le système de chauffage au bâtiment. Si le bâtiment est ouvert, il ne peut pas être chauffé, ce n'est absolument pas possible, même si nous utilisons des mesures temporaires spéciales. Ainsi, nous avons dû arrêter les travaux en raison du manque de fonds. Et nous avons été obligés d'utiliser les fonds disponibles d'une manière encore plus réfléchie. Nous réalisons les travaux les plus pertinents. Maintenant, il fait beau, il ne pleut pas. Par conséquent, nous avons la possibilité de fermer activement le circuit thermique avec des structures métalliques. Nous finissons le revêtement, nous terminons tous ces travaux. À ma droite, vous voyez un entrepôt où se trouvent les matériaux, y compris pour les systèmes de chauffage. Donc, je souligne que la tâche numéro 1 à ce jour est de fermer le contour du bâtiment. Ensuite, la société Astron nous aidera à effectuer la deuxième partie des travaux. Nous devons viabiliser le terrain, ce qui veut dire que nous devons monter un certain nombre d'équipements pour les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité et autres. Pour ce faire, nous devons notamment effectuer une base en béton. Maintenant, nous allons entrer dans le bâtiment et voir les travaux qui sont vraiment très intenses. Nous voyons donc que des travaux sont en cours sur la préparation de la base pour remplir le sol avec du béton. Si nous regardons dans l'autre sens, nous verrons qu'une grande partie du socle est déjà remplie. Ensuite, l'imperméabilisation, la mise à la terre seront effectuées et nous effectuerons les travaux de béton pour couler la base des sols. Et après cela, la société Astron pourra commencer l'installation des cloisons. Nous allons maintenant vous montrer tout le volume des travaux de béton, mais depuis un angle un peu différent. On voit que les travaux sont très intenses. Les ouvriers du bâtiment effectuent beaucoup de tâches nécessaires à la construction. Maintenant, nous allons monter sur une rampe et à partir de là, nous pourrons évaluer l'ampleur du travail qui a été accompli pendant une assez courte période. Le caméraman va maintenant vous montrer la grande surface qui est déjà remplie de béton. Bien qu'il y ait une semaine de cela, seule une petite partie des sols était prête ici. Cependant, de nombreux travaux sont effectués à crédit malheureusement. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous cherchons toutes les options possibles pour résoudre le problème de manque de fonds.
parce que cela prend beaucoup de temps pour attirer les investissements nécessaires rapidement. Mais telle est la réalité. Nous faisons de notre mieux. En tout cas, les ouvriers effectuent des grandes quantités de travaux. Maintenant, on va monter au deuxième étage. Ici, récemment, l'ambiance était assez calme. Et aujourd'hui, il y a des matériaux et des structures de partout. Nous pouvons voir ce qui se passe de l'autre côté. Le caméraman va vous montrer ce qui se passe ici, dans cette zone. Eh bien, ce que vous voyez maintenant, c'est pareil dans chaque pièce. Il y a des matériaux entreposés de partout. En face de moi se trouve une ouverture technique qui sera partiellement scellée. Là, des portes spéciales seront installées pour déplacer de l'équipement. Allons-y. Lorsque nous avons inspecté ensemble le bâtiment, vous avez tous vu que certaines fenêtres sont restées sans vitrage. On va y monter des grilles, derrière lesquelles seront installés des équipements de climatisation. Et ici, vous voyez des travaux sur l'installation des structures, des cadres et des cloisons supplémentaires. Il s'agit d'un module monté pour y installer l'équipement pour l'échange d'air. Donc tout cela est nécessaire pour le raccordement des systèmes de chauffage du bâtiment au chauffage central. Les travaux se poursuivent également dans les autres parties du bâtiment. Par exemple, vous pouvez voir que les travaux se poursuivent dans cette partie-là du bâtiment. Nous pouvons voir la même image. Nous pouvons voir les mêmes cloisons. Le même travail pour ces installations. Et maintenant, je vais vous montrer un autre type de travail très intéressant. Ici, vous voyez une étagère qui est montée. C'est un puits d'ascenseur. Et là-haut, il y a des boucles. Il s'agit d'une plateforme spéciale ou d'un banc d'essai pour les tests avec une charge statique et dynamique des boucles. Après le test, le client technique pourra les accepter. Ces travaux sont en cours. Vous pouvez voir tous ces ouvriers qui travaillent. C'est le travail engagé par les spécialistes de la société Astron. Des travaux intensifs sont en cours pour fermer le circuit thermique. Tous les travaux nécessaires sont effectués pour fournir de la chaleur au bâtiment. En outre, il y aura un autre grand nombre de travaux sur l'installation des portes et des grandes ouvertures. Tous ces travaux permettront de fermer le bâtiment. Vous voyez que le volume de travail est très important. Et après cela, si nous avons des fonds disponibles, j'espère pouvoir viabiliser notre terrain. Maintenant, les caméramans vous montreront l'image générale de la construction.
Pourtant, on aurait pu passer par le bâtiment administratif et technique. Cependant, je pense qu'il est plus intéressant de regarder cette partie du chantier de l'extérieur et d'en haut. Vous verrez le toit, les étapes finales de l'installation des structures de clôture, les travaux dans les dépendances sans étage. Vous verrez tout vous-même. Vous comprendrez l'ampleur du travail effectué. Au revoir. J'espère que les vidéos que vous verrez vous feront plaisir. À bientôt. Prenez soin de vous.